Salut mes amours! Waouh, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous et de partager avec vous des recettes. Oui, aujourd'hui je vais vous offrir quelque chose de spécial. Oui, ça concerne nos enfants. Oui, je vais vous parler aujourd'hui de la teigne. Oui, beaucoup de plusieurs mamans savent ce que c'est. Oui, parce que nos enfants souvent en souffrent. Et je vais vous donner des astuces pour guérir naturellement de cette teigne. Oui, accrochez-vous et soyez scotchés. Premièrement, je vais d'abord définir ce que c'est que la teigne. Oui, la teigne est une maladie contagieuse qui attaque le plus souvent les enfants et ça attaque le plus souvent le cuir chevelure de l'enfant. Oui, et la cause principale de cette maladie, elle fait suite à la contamination de l'enfant par les champignons microscopiques ou mycoses et fait partie des maladies appelées dermatophytose. Oui, dermatophytose. Oui, en ce qui concerne le traitement, comment cela va se passer? Je vous suggère trois ingrédients principaux, à savoir 10 gousses d'ail, 150 g de beurre de karité et 50 ml de miel. Oui. Sur mes vidéos passées, je vous ai donné sur une vidéo les bienfaits du miel et les bienfaits de l'ail. Oui. Et comment faire la préparation de ce produit miracle? Oui. Vous allez d'abord écraser, vous allez éplucher de l'ail, vous allez écraser et avoir une bonne pâte d'ail. Et dans cette pâte, vous allez incorporer du beurre de karité et du miel. Ça va donner une pâte homogène et vous allez appliquer ce composé sous forme de pommade. Oui, chaque fois que vous allez constater que votre enfant a la teigne sur des cheveux, vous avez sur la tête, excusez-moi, si l'enfant a la teigne sur la tête, chaque fois que vous, et pour guérir cette teigne, vous devez raser les cheveux de l'enfant sur la tête pour permettre la pénétration du produit. Vous allez mettre ce produit sur les zones affectées. Oui, ça va vraiment. Vous allez appliquer cette pommade continuellement, quotidiennement, pour améliorer la texture du cuir chevelu de l'enfant, pour que le cuir chevelu de l'enfant reprenne sa forme normale. Oui, mes loulous. Et j'espère que cette petite astuce va vraiment vous aider toutes les mamans du monde, car nous sommes tous des mamans et nous sommes des futures mamans aussi, pour ceux qui sont aussi mamans, nous sommes des futures mamans et des mamans et des sœurs aussi. Si vous constatez que votre fils a des problèmes ou votre petit frère a des problèmes, vous pouvez recourir à cette méthode naturelle. Portez-vous bien et surtout gardez la positive attitude. Bye!